Ils sont attaqués ce soir, le public. Et voici notre pianiste préféré, Laurent Choucroun, qui nous accompagnera au Caméro. Bon, en position. Ah, les belles paires de cinquième position. C'est beau. Bon, aujourd'hui les filles, on danse. Maestro, 4-4, t'es à favor. C'est pas moi qui passe un examen à la fin de l'année. Non, c'est pas moi. Alors, on recommence. Et maintenant, la classe de Carter avec Mademoiselle Herroir. Maintenant, la classe de M. Dubouet avec les 4e division. Thank you.
tiens. Et maintenant, la classe de Bruce Taylor avec les premières divisions. Exercise 1. And 1. Soleil devant. And 2. The sky. And 3. And the dolphin. And the fish. And 1, 2, 3, 4, 5. And up. And up. Vous avez compris? Vous avez compris? Bon, c'est simple quand même. La technique, ça va. On est quand même à l'Opéra de Paris. Première division. Bon, c'est high-tech. C'est stop. C'est chic. C'est groove. C'est move. C'est cool. Hey, Marion, comment on dit cool en français? Ok, cool. C'est cool, fresh, high-tech, fresh, high-tech. Bonsoir, excuse-moi, bon, je suis en retard, mais comme j'avais une réunion à l'Elysée, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Je n'ai rien pris le temps de manger depuis 3 jours à part une pomme. Oh, et un espérant chez la durée, oui. En fait, je me présente, Olivia Bottoni, fille de Max Bottoni. Alors, pour moi, je suis professeur en droit, docteur en droit, consultant en droit. National de Paris, à l'école de danse du CNSAD, au CNSMD de Lyon, au Centre National de la Danse. Oh, excusez-moi, c'est mon mari. Ça fait déjà 6 fois qu'il m'appelle, mais j'attends la 7e pour décrocher. C'est mon anniversaire. J'espère qu'il me fera au moins 2 sacs, oui. Oh, un Dior et un Prada, ou alors non. Une robe, la garde, oui, parce que je fais du footing en ce moment, ça ira très très bien. Bon, les filles, j'espère que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, c'est interro. Ah, enfin la 7e, je vais pouvoir répondre. Oui, allô, chérie? Ah, tu vas penser à moi. Et maintenant, nous allons voir la classe de Mademoiselle Bessie. Bonjour les garçons. Aujourd'hui, hein? Bon, les garçons, alors, premier exercice. Bon, alors, relevez double toit en l'air, puis relevez double toit en l'air, puis relevez triple toit en l'air, puis relevez triple toit en l'air. Bon, en premier, bon, vous gardez les barres de céréales, parce que le principal dans les tours en l'air, c'est de faire passer la barre de céréales dans l'autre. Merci, Calista. Musique. On est bien d'accord là, ce qui est important dans les tours en l'air, dans les doubles tours en l'air, c'est les doubles tours en l'air. Parce que dans les doubles tours en l'air, vous le savez tous, ce qui est important, c'est les doubles tours en l'air. D'accord? D'accord? Bon, non, parce que j'en ai marre de répéter toujours la même chose, d'accord? Parce que là, ma
petite fille, elle fait mieux que vous. C'est la fête des mères, là, dimanche. Elle fait mieux que vous. Elle m'a récité un petit conte. Hein. Maman, ma main est une fleur. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Pas du tout. Il est petite fleur. Moi, je sais que ma maman, elle m'aime de tout mon cœur. Merci les filles. À bientôt. Vous allez me faire des relevés, juste avant que je revienne. Et même si c'est dans 10 jours, 20 ans, 30 ans, 100 ans... Et maintenant, la classe de Madame Zumbo. Il fallait que je vous le dise, dans la vie, j'ai deux passions. La danse, bien sûr, et Frédéric Michalak. C'est pour ça que j'ai mis au point une nouvelle technique d'apprentissage, le rugby dance. Rugby dance. Oh, merci les filles, je vois que vous êtes bien motivées. On va commencer tout de suite par un travail de portée de Paquita, de Pierre Lacote. Effectué par l'équipe des Gitans sur un côté de Basilio à la première mi-temps. Allez, formation les filles, on y va. Bravo, bravo. Alors comme on a pu voir dans cette manifeste représentation, le rugby la danse est complète parfaitement. Attention, réaction. Attraction du ballon, contraction, bien les appuis, bien serrés dans le sol, hein, voilà. Bravo les filles, merci. Maintenant, quelques conseils pour cette discipline. Alors, primiosio, le port de la ceinture, obligatoire, plus la peine de le préciser. Je vois que Calista n'a pas respecté ceci et qu'elle se fera un plaisir demain de le respecter, merci. Bien sûr, pour le visuel, ça affine la taille, et pour... Le partenaire, ça facilite la prise de main pour les porter. Secondio, les lancers de crampons. Bien serré, bien rentré, pour éviter tout accrochage de croque en jambes et accidents éventuels possibles. Merci. Et troisième mot, le maquillage.
ça affine le regard, ça intensifie, et puis aussi, ça intimide l'adversaire. Parce que moi, je vous le dis, quand vous serez face aux blagues, vous ferez parler maligne, hein. Allez, faites voir. Merci les filles, on va entrer en phase de repos. Et maintenant, la place de celle qu'on appelle la grande redon. Baisser d'un ton. D'accord. Merci. Et maintenant, la classe de Monsieur Namon avec les premières divisions garçons. De l'école, nous allons finir par une répétition de soir de fête. Mais avant, je dois vous dire que je tiens énormément à la tradition du salut. Ainsi, je suis dans la contrariante obligation de vous demander de me saluer.
J'attends. Arrête avec tes blablabla, Elisabeth. Allez, on y va. Je vous présente Madame Bossa. Je l'ai. Ça fait 8 dégagés à droite. Non mais stop, ça va pas du tout les enfants. L'expression du visage, c'est l'essentiel avant tout. Ah, j'ai la solution. Monsieur Scott.
Indigo, c'est la chanson de l'été. Et mais de la chanson là, ça c'est le tube de l'été. Quand tu vas à la plage, ne fais pas le mariole. Les choses de tes amis. Parmi les parasols, contre la crème, ta casquette, ton t-shirt. Et tes lunettes. Pour éviter la cuisson, c'est la seule bonne recette. Quand on s'expose, se trompe. C'est très mauvais pour ses yeux et encore pire pour ta peau. Sans lunettes, l'hiver paraît. Fais gaffe à tes rétines. Sans chapeau, te rend mal à la tête. Dis aussi à ta copine. C'est ta la même journée quand on met la peau. Qu'il ne faut pas se retrouver en plein soleil sur la route. Protège-toi le matin et aussi l'après-midi. Sans oublier qu'à midi, le soleil s'est interdit. Protéger ta peau pour passer de bonnes vacances sans souci ni pépin. Entre avec nous ton vacances et chante ce refrain. Oh la morée, laisse la nommée. Avec ta peau de gringo, tu verras mon chaud. Oh la morée, tu viens à l'ombrée. Sors de ta valise, tes lunettes et ta chemise. Oh la morée, laisse la nommée. Thank you.
sans remerciement, ça n'existe pas. Donc tout d'abord, je veux remercier les surveillants de jour comme de nuit. Merci à Ben, Fatima, Lamia. Merci les professeurs de l'éducation nationale qui nous ont aidés, notamment Madame Duprié, pour tous les décors que vous avez dans la salle, qu'elle a effectué. Donc je remercie Vincent Desjean, que vous connaissez tous. On remercie également Monsieur et Madame Manois qui nous ont permis de finir tard ces derniers jours les répétitions. Également, je ne connaissais pas chanter sans Monsieur Scott. Je pense que là, je peux prendre votre parole et remercier tous les élèves pour ce spectacle. Sans cette école de l'école, il n'y aurait rien, donc on doit tout ça à Madame Platé. Stagiaire aujourd'hui parce que vous savez qu'il y en a pour certains, c'est leur dernière année. Donc je voudrais dire un grand merci à Janine. Un grand merci.